Ça sent bien dangereux de vivre à Brampton. Eh oui. Je m'en allais chez Jocelyn Fortier chercher des affaires. Puis en descendant de Saint-Lambert, il y a un char qui grinçait, là, puis il s'en allait d'une raideur, là. J'ai arrêté, mais je suis en allé directement. J'ai pas pris de chance. Je me suis tassé même du trottoir pour prendre de chance. Ça s'en est, cette affaire-là. Hein? Hey, pour une ville qui n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de police non plus. Quelque chose ici qu'on a reçu par la poste-office. Camp de jour, Brampton, 5-12 ans. Bon, c'est pour les enfants, c'est sûr. Là, le focus n'est pas ajouté, là, mais quand même. On peut voir que c'est même pas chez nous qui fête réellement. Bon. Hey, des sorties, là, tous les vendredis. Bon. Pique-nique au sommet du Mont Bellevue. OK. Au lieu de le faire ça à Beauvoir. La maison du cinéma. Oui, OK. Zoo de Granby. Camp Val-Estrie. Maison de l'eau. Mais ça, c'est où? Hey, parc de la gorge de Quaticook. Et les mines de Campbellton. Ben, ça veut dire que il n'y a rien, là. En bas, c'est écrit horaire et durée parc-no. Ouais, c'est ça. La machine à voyager dans le temps. Oui, la machine à voyager dans le temps, ben, on aimerait même mieux revenir à Brompton comme c'était dans le temps.